dit bonjour, bonjour YouTube. Je vais couper la cam là, une petite dizaine de minutes parce que je suis occupé. On est enfin parti pour un nouveau jeu. Ça va être cool. On le lance? Allez, on le lance. Allez. 2019 hein, quand même, hein, ça date. Hein. Bon, c'est parti. C'est parti. Bon, j'espère que vous allez bien, c'est 5h, c'est un stream matinal, vous vous rappelez à l'époque d'Assassin's Creed, le petit stream matinal. Alors j'ai cliqué sur sélectionner. Voilà. On va redémarrer le jeu. C'est un bon début ça. Ok. Sûrement une petite connerie, mais c'est parti. Donc là, on est sur la version Return to the Arkham qui a tous les DLC et qui est en 60 FPS, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme ajout? C'est tous les DLC? Ça doit être le 60 FPS, je pense. Ou il y avait déjà le 60 FPS sur le premier, hein, c'est étonnant. Bon, DC Comics de Rocksteady. Bon, les jeux Rocksteady, on parle Arkham Knight, mais on en reparlera quand on y jouera. Là, on est sur le troisième des Batman. C'est bien ça. Ouais, faut pas j'oublie de faire ça ici. De toute façon, j'oublie de cocher des cages, moi. J'ai beaucoup de cages à poser. J'ai des trucs. Ce squid 3 et 4. Je regarderai tout ça. Voilà, c'est parti. C'est numéro 2. Save numéro 2. Le jeu censé très bien tourner, c'est pas un problème, ne vous inquiétez pas. Sauvegarde. Ok. Démarrer le mode histoire. Avec toutes les cartes. Oui, bon, c'est plus tard ça. Épisode Catwoman, c'est plus tard. Donc, on joue en facile parce que nous on est là pour explorer et s'amuser. On augmente la luminosité de 3 pour que vous y voyez quelque chose, c'est parti. Il est quand même censé être joli, après il sera pas méga joli hein. On est quand même sur du Batman, mais c'est pas mal. Quand est-ce que le patron arrive? Il va venir. Riley dit qu'il a vu Batman. Il est là aussi. À Arkham City. Pourquoi il viendrait ici? Vous feriez mieux de vous détendre un peu. C'est Batman! Non, c'est Catwoman. Qu'est-ce qui se passe? Désolé de vous décevoir, les gars. Ce n'est rien comme... Allez, ça dégage. Ça dégage. On va te tuer. Ça, c'est les hommes de double face, hein. Bon, je me rappelle des touches, quand même, ça dégage. Je vais te faire miauler, garce. Allez. Ça dégage. Ah, je vais faire un perfect. Maintenant que leur compte est bon, il est temps de prendre ce que je cherche dans ce coffre. Et qu'est-ce que je cherche? Percer le coffre. C'est bon, attendez, je reviens avec ma petite canne. Essaie un peu ça sur moi, mon petit Harvey. Je te le déconseille. Alors? Ah. 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 Debout, monsieur Wayne. Nous avons beaucoup à nous dire. Doctor Strange, vous vous souvenez? Strange. Vous ne sortirez pas comme ça. Mais j'ai déjà. Bon, on va suivre l'histoire. Vous vous rappelez du Origins et tout ça? Oui. Dans quelques instants, Bruce Wayne sera avec nous en direct pour s'expliquer sur son intérêt soudain pour la politique de Gotham. Le célèbre playboy millionnaire n'a jamais été du genre... C'est milliardaire, Vicky. Les millionnaires sont complètement dépassés. Easy. Ah. Niveau du son, ça doit être ok, en vrai. Ouais.
Je suppose que vous pensiez que vous étiez intouchable. Eh bien, comme vous pouvez le voir, personne n'est vraiment intouchable. Merci. Merci, Gotham. Mesdames et messieurs, emprisonnés derrière ces murs, des chefs de gang s'affrontent sans merci au milieu de notre ville, qui a perdu de sa superbe. Tout perdu, oui. De l'acide d'Arcane et de la prison de Blackgate ont été transférés dans ce complexe pénitentiaire. Comment garantir la sécurité des habitants de Gotham? Ça, la VF, je la reconnais. Fermez Arkham City maintenant. C'est le chaos total. C'est quoi la VF? À la fin de la soirée, je serai un héros. Tout comme vous, Batman. Aujourd'hui, je lance une campagne. Oh, ils ont une arme et tout. Il m'a fait mal à la joue. Bon, ça a l'air d'être le bordel. C'est le bordel. Ça a l'air, c'est le bordel. Bonjour, Monsieur Strange. Je dois vous remercier. Réveillez-vous. Il est plus facile de capturer Wayne que Batman. Maintenant que nous vous tenons, le protocole 10 est prêt à commencer. Ce sera mon héritage. C'est moi. Un monument à la gloire de votre échec. Et si vous essayez de m'arrêter, je vous garantis que tout le monde apprendra votre secret. C'est pas grave. Si je peux t'arrêter, c'est pas le mieux. Non, je m'en fous, regarde. Oui. Un merde. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Oh, attends. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ouais ? Bienvenue à Arkham City. Ah ouais ? Ah ouais? Qui veut se battre? Qu'est-ce qu'on attend, Wayne? File A, allez! Ok, ça va, c'est bon, je rigolais. Wayne, vous êtes dans la file A! On se bouge là, putain, les VF, je les reconnais, ça m'énerve. Bah, je m'en fous. Je m'en fous, me parlez pas. Wayne, venez donc par ici! Je suis là! Je suis là! Oui, ça va. Bonjour, Monsieur Strange. Baissez vos armes. Monsieur Wayne ne posera pas de problème. Oui. N'est-ce pas, Monsieur Wayne ? Promis. Laissez-lui les menottes. On ne voudrait quand même pas faciliter trop les choses, n'est-ce pas ? Ferme les portes. Préparez-vous pour l'insertion. Je peux pas croire que je vais mourir ici. Bonjour. Ah, Monsieur Riders. J'étais en reportage à votre conférence de presse et maintenant on est là tous les deux. C'est ce qui arrive quand on s'intéresse à la politique, n'est-ce pas ? Ils peuvent pas fermer ça. Écoutez-moi attentivement. Quand la porte s'ouvrira, ne paniquez pas. Restez près de moi. Vous croyez que je vais suivre les conseils d'un type qui ne s'est jamais battu de sa vie ? T'es pas prêt. Restez calme. T'es pas prêt. C'est de nous faire peur. Désolé. Ouais, non, mais ils essaient de nous faire peur, les gars. Ils sont au-dessus des barrières, ils vont nous attaquer, là. Ah oui ? Merde. Ah oui, contre. Ah, faut contrer. Ok, meurs. Debout, Ryder. Allez, debout. J'ai dit debout. Regardez un peu qui est. Laisse-moi contrer. J'ai pas mal, c'est dans la tête. Oh, le pingouin. Là, ça fait juste 10 minutes de VOD que j'ai mangé chaud dans ma mère. Debout, Wayne. Bonjour, monsieur le pingouin. On a un petit coup de mou. Tu veux que j'appelle ton majordome ? Oh,
comme le pote. Le pingouin. Oh, tu te souviens de moi. Oh, c'est touchant. Ta famille a détruit la mienne. Ouais. Moi, j'ai rien fait. C'est... Eh bien, on n'a qu'à appeler ça une bonne vieille vengeance. J'ai rien fait, moi. Un gamer. Ah, vous étiez sûr, moi, de ça allait bien se passer? Frappez-le! Je crois qu'il va casser la main! Mais personne va se douter que je suis Batman, là, avec ma style de combat. Qu'est-ce que vous foutez, ah. Comment c'est possible? Je suis juste trop fort, en fait. Ah non, il veut pas faire les émissions au sol. J'ai peut-être pas encore l'armure, hein. Vous allez me le payer, ouais. Je peux rien faire d'autre que les taper. Il est où? Meurs. Je dois absolument contacter Alfred. Meurs. Crapaud. C'est par là, puis après c'est par où? C'est par là. Et on va aller sur un bâtiment qui est très connu, qui est un bâtiment de Gotham City qui est beaucoup référencé, que ce soit dans les séries, tiens, je vais vous raconter, qui est beaucoup référencé, que ce soit dans les comics, dans les séries et tout. On en parle dans Flash, dans Arrow. Le Ace Chemical. C'est une usine. Alfred, vous avez les coordonnées? Presque, monsieur. Il y a plus d'interférences que d'habitude. Il me faut un largage immédiat sur le toit de l'immeuble d'Ace Chemical. Mm. Je suis déjà en chemin. Bien sûr. Ace Chemical est plutôt connu dans les DC Comics. C'est des petites références. Vous savez que je regarde Flash et il y a la référence. Vous aviez prévu de vous faire arrêter depuis le début ou je me trompe? Sérieux? Pas vraiment. Mais ça m'a permis de passer du temps tête à tête avec Hugo Strange. Et comment était-ce? Pas terrible. Il sait que Bruce Wayne est Batman. Protocole 10, ouais, ça c'est le protocole 10. Un certain protocole 10 allait le rendre célèbre. Je ne peux pas quitter Arkham City sans savoir ce que c'est. Bah, putain, je reste, hein, j'ai rien à foutre. Est-il arrivé, monsieur? Pile à l'heure. Pile à temps. Pile à l'heure ou pile à temps? Pile à l'heure. Il est l'heure. Autant pour moi, je l'avais déjà. Le Batwings. Dommage qu'on puisse jamais la piloter. C'est bien. Avec ta main dégueulasse, là, t'arrives à scanner. Ouf. Comment il va? Par contre, c'est pas des épaules, ça, c'est du titane, hein, ça. Alfred, j'ai pris une clé de cryptage à un garde Tiger. Je vais pirater leur communication. Ah, c'est comme ça, là, t'as mis la... Donc, il met des pains, il a une clé de cryptage. Accès au code de diffusion. C'est par ici. À toutes les unités, ici Air Tiger 4. On a confirmation que la détenue 4011 est au tribunal. Je répète, Catwoman est au tribunal. J'arrive. Est-ce qu'elle est en danger? Affirmatif. La cible est retenue par Dent. On pense qu'il a l'intention de la tuer. Comment doit-on procéder? Bon, on laisse Dent s'amuser. Arrêtez. Que ah double oui. Face puisse s'amuser. C'est oui. Compris. Laissez-le faire. Ça veut dire rien qui vaille. Vous n'avez pas tort. La prédilection de Monsieur Dent pour tout ce qui est binaire n'est pas de bon augure pour Miss Kyle. S'il y a quelqu'un à Arkham City qui sait ce qui se passe vraiment, c'est bien elle. On va la sauver ou pas? Moi je veux bien, hein. Il faut que je retrouve Catwoman. Go. Oui. Sauver Catwoman des griffes de double face. J'arrive. J'arrive, Catou. Batman il a déjà tué un de vous. Éliminé. Batman ne tue pas. Sauf quand c'est nécessaire. Allez, ça dégage. Comment ça c'est si facile là? Petit combo de 27, bah voilà. C'est parti, toc toc toc, c'est bon. Pas bien compliqué.
Ah mais si, je suis con, il fallait rentrer par au-dessus. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est le musée, je suis con. Non, c'est le tribunal. Trop tard, crétin. On a déjà commencé. Ah, on peut passer par au-dessus peut-être. C'est fermé. C'est ouvert. Bonjour. C'est quoi cet acide? Dans un tribunal, il y a de l'acide comme ça? Jean Carveden est un avocat. Faites donc entrer l'accusé. Bonjour monsieur. Ah, on peut dire que tu sais t'y prendre avec les femmes, Harvey. Hey, t'aurais pas fait un peu de chirurgie. Tu vas te prendre une mandale. Arrêtez avec les mandales. J'ai été un vilain chaton. Libère-moi et je te revaudrai ça. Voyons voir si cette pièce prouve ce que tu dis vrai. C'est une face-face. Le procès commence. J'adore la vie. Il suffit d'éliminer le type qui a l'arme. Sans lui, le reste de la pièce ne sera plus un problème. Il y a quand même du monde. C'est un plaisir de voir de nouvelles têtes parmi vous. Bah j'y vais. Aujourd'hui nous allons... Ah oui, il y en a la moitié qui part. Oh, je voulais tuer les 47. Il me laisse même pas tuer les 47. Oui, bah ça va. Bien. Ah oui, ça l'a tué. Objection. Aïe. Rejeté. Ça fout le lag, ça fout le lag. Quelle face je dois choisir pour rester en vie? Pas celle-là. Pas celle-là. Tu vas crever. C'est pour ça qu'elle a dit quelle face moi, je dois choisir. Moi, je te mets un sursis à l'exécution. Jure? Pas de flingue, Harvey? Dommage. Ça va te faire très mal. Non. Deux flingues, quatre! Moi qui croyais que les chats étaient les seuls à avoir 9 vies. Imagine la corde n'avait pas tenu. Imagine le bâton, il n'avait pas prévu que la corde lâche. Ça balance, Harvey. Viens voir maman. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que t'es plein de surprises? Je me suis dit que tu aurais besoin de mon aide, Selina. Comment elle va? Tu as raison. Je crois bien que je me suis cassé une griffe là-bas. LOL. Très drôle. Rire. Sniff, sniff. Chapeau, chapeau. Le protocole 10. Qu'en sais-tu, Selina? Absolument rien. C'est pas ce que je voulais entendre. Et pour Hugo Strange? Je ne lui fais pas confiance. Il disparaît des années et d'un seul coup, il réapparaît à la tête. Qui bosse avec le Joker? On raconte qu'il bosse avec le Joker et qu'il prépare un petit cadeau très spécial. Rien pour toi. C'est peut-être ça, le protocole 10. C'est quoi le cadeau? Cet ex-procureur ici présent a dit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? À très bientôt. Jure, t'as fait que ça? Cet endroit est très dangereux. J'adore ça. Tu attendais un baiser? C'était le Joker.
Tu es en danger ici. Oh, moi, je la trouve jolie, Céline. Allez, pourquoi pas. J'ai 9 petit numéro. Tu sais bien. Interroger le Joker. Alors, je pense pas qu'il va être d'accord. Où la balle est entrée dans le tribunal, ainsi que son impact. Alors, elle est rentrée, elle est partie là. Fusil de sniper 12.7. Bon, par où est-elle entrée? Fusil sniper 12.7. La trajectoire empruntée par la balle me mènera au tireur. Ouh, c'est loin. Ah, c'est à l'usine. J'ai à l'usine, pas du tout. Là. L'église. Médicale. Non, non, c'est l'église. On va go, hein. Le protocole 10 prendra effet dans 10 heures. Vite. Allô? Pas chiant, hein, les gars, pas chiant. Hein. Moi j'ai juste un truc à faire, c'est bon, ça bloque des portes. Niquez-vous. Est-ce que vous voyez? Il est toujours là-dedans? Ouais, je crois. J'entends quelqu'un là-dedans. Garde cette porte fermée, mec. Je veux pas me retrouver face à Batman. T'avais pas dit que c'était Batman? On est encore là. On devrait plutôt se tirer, non? C'est bon, je vous laisse faire. Sois pas débile. Tant que tu gardes cette porte fermée, ils peuvent. Après, j'ai quand même envie d'aller taper. Alors, on a quoi? Le bat ordinateur. Nous avons Bruce Wayne. Nous avons Alfred. Nous avons Penguin. Ok. Double face, on s'en fout. Vicky Vale, Catwoman, Jack Reedus. T'es qui, toi? T'es apparu en mars 68 dans votre choquet. Il est un journaliste d'investigation devenu présentateur des talk shows controversés. Il est réputé pour son agressivité et sa détermination à obtenir la vérité. Depuis l'ouverture critique d'Arkham City, Raider dévoile les secrets de sa donjon forteresse. Bah ça a l'air d'un top pote. Et Monsieur Strange, psychiatre. 1940, Détective Comics 36. La femme psychiatre Hugo Strange peut avoir percé le secret de l'esprit des criminels grâce à des années d'études. Il persuada Sharp, le maire de Gotham City, que le projet Arkham City est le seul moyen d'éradiquer le crime et des dangereux justiciers comme Batman. Selon la rumeur, Strange amènera des expériences douteuses sur les détenus sans autorisation, mais à l'absence de preuves, Gotham remercie Strange pour la baisse considérable de la criminalité. Strange sait que Batman s'en prendra à lui, c'est d'ailleurs ce qu'il espère. Ah, il a été un petit peu schizophrène. Bon, je vais les taper, hein. Et qu'est-ce qui l'empêche de faire le tour? Il y a une autre sortie? Ouais, Double Face me l'a montré. Il y a un sous-sol, il y a plein de cellules, il y a... Alors? C'est Batou? Y'a qu'un seul gars qui peut m'appeler comme ça. Et c'est pas vous. No man who can kill me. I am no man. Ah, c'est qu'il y en a d'autres qui se ramènent. Ok, ça dégage. Y'a quoi d'autre? Bat ordinateur et Waytech. Bienvenue chez Waytech, bienvenue sur l'écran Waytech. Oui, ma détection, glissade, machin, ça va être long ça. J'ai pas le temps. Bon, allons. Déjà, la carte est pas très grande. Bon, y'a la zone réglementée qu'on ira plus tard. Mais la carte est pas très très grande. Ah, mais j'ai déjà eu un niveau supérieur, putain. Allez, attaque contre de choc. Ça c'est fait. Froid? Bien sûr que j'ai froid. Oui, on se le gèle. Bah on va l'essayer. Je voulais faire le bidon de canon, j'ai pas pu. T'as pas la moindre chance. Ça dégage. C'est bon? Oh, si on m'avait dit que le jeu était si facile, moi j'aurais lancé Cold War, j'aurais lancé Cold War. Bon allez, on s'instruit, on va voir la Queen. Madame Queen. Voilà, Batman,
connasse. Laisse partir la demoiselle, Batman. Ou on leur colle tous une balle dans la tête. Je crois que t'as intérêt à faire ce qu'il te dit. Ce serait du gâchis si ma... Moi, je trouve que son skin est hyper stylé. Qu'est-ce que t'en penses, Batman? Bah, écoute, ça va. Que ce que je raconte, voyons, évidemment, à qui elle ne plairait pas. Moi, je trouve ça ce nu hyper stylé. Contrairement au film. Je t'explique. Monsieur J ne peut pas recevoir de visite pour l'instant. Il ne se sent pas vraiment lui-même. Enfin, bon, c'était déjà le cas, mais... C'est pas ce que je voulais dire. Il a une petite baisse de forme et l'imbécile de médecin que j'ai envoyé n'a pas pu l'aider. Je crois que même ces crétins ont plus dans la cervelle. Je dois y aller, les mecs. S'il tente quoi que ce soit, tuez-le. Si je meurs, Monsieur J, il va pas être content. Moi, je dis ça comme ça. Ah, ok. Nouvelle biographie. Bonjour, Madame Quinn. C'est du suicide d'attaquer des voyous armés. Ah. Je dois disparaître et les éliminer silencieusement, un par un. Je m'en occupe. Bam. Alors. Ils ne savent pas où je suis. Bien, tâchons que ça reste. Bah sinon tu regardes au-dessus, comme tout le monde, en jeu. Et de planifier ma stratégie. Quatre voyous, tous armés, et deux otages. Ça devrait être facile. Ok, vu que c'est le premier, ça va. Il va nous buter. Batman, ce crétin se croit en sécurité dans le confessionnal. C'est encore plus facile pour moi de l'avoir par derrière. Ok. Il ne lâchera pas. Oh non, je vais crever ici. On va l'avoir par derrière. Élimination au travers un panneau en bois, tu dégages. Ça va, ne dis rien. De rien. Il a un otage. Putain, je ça va. Jusqu'à l'échafaudage au-dessus de lui sans être vu et l'éliminer depuis ce poste. Tu le vois? Où est-ce qu'il est? Je sais pas où il est, je le vois pas. Il peut venir de partout. Reste calme. Batman, tu m'entends? Ok. Jure? Tire-toi si tu veux pas que cette sale gare sorte. En fait, Batman, c'est un ninja. Bah, enfin, il a fait la Ligue des Assassins. Ça va aller. Attendez ici et ne faites pas de bruit. Double élimination. Ça dégage. Et bam, on a sauvé tout le monde. C'est quoi qui s'est bougé par ça? Tout va bien se passer. Je peux pas les détacher? Dieu merci. Hey, Batman! Merci du coup de main! Ah, c'est bon, vous le détachez vous-même. Ah ouais, juste trop fort. Ouais, venez tous. Putain, mais vous avez des armures aussi. Parlez à médecin. Ah ouais. Bon. Qu'est-ce que c'est? Il y a une porte là-bas. Oui, il fallait aller en haut de la tour. Bien, maintenant écoutez-moi. C'est nous qui commandons ici, pas ces animaux. Il va falloir qu'on boucle cet endroit. À tous les coups, vérifiez les stocks. Voyez s'il manque quelque chose. Oh, je suis perdu, moi. Si quelqu'un peut la trouver, quoi? Oui, monsieur. Ah, tour de chargement. J'ai fait quelque chose de mal, je sens. Monsieur Joker, bah il serait cassé. Enfin, il s'est cassé. Monsieur Joker? Voilà l'arme. J'ai l'impression qu'elle est contrôlée à distance par le Joker. Jure. C'est la bonne arme? Pas du tout. Tu t'es été transformé en monstre, trop chelou. Tu dois te concentrer sur les bombes. Dépêche un peu l'heure pour... Putain, c'est bien armé, hein. Mais bon, la technologie, il y a des bisous. Animation. Ouais. Ah ouais. Alfred. J'ai une piste pour le signal utilisé pour contrôler à distance le fusil de sniper. C'est un coup du Joker. Avions-nous encore des doutes? Le signal radio devrait me mener directement à lui. Bonne chance. De rien. Ok, c'est par là. Des heures. Je sais pas. Ils connaissent les règles. Je les répète sans arrêt. Revenez ici avant qu'il fasse noir. C'est peut-être les gars de double face. Ou faire le tour. Pour voir.
Nouveau, mission secondaire. On a une petite mission secondaire. Air Tiger 5 au commandement. On a un visuel sur une fusée de détresse sur le... Ok, bah go, la fusée de détresse. De toute façon, ici, c'est la ville avec le petit bateau. Ici, c'est la zone industrielle avec l'usine et tout. Ici, t'as le Bowie avec le Big Musée. Parcro, l'usine et tout. Après, tu pourras visiter les lieux à l'intérieur. C'est vraiment bien foutu là-dessus. Promis. Bon, allons, fusée de détresse. Nouvel entraînement en réa depuis téléchargement. En RA, pardon. Déjà, on a un objectif secondaire, allons voir. Quoi? Oui, c'est moi. Non, c'est bon, je peux taper, t'inquiète. Oh, mais c'est qu'il y a du monde. Je m'en occupe, attendez. Ok, ça dégage. Ça dégage. Je dors perfect. C'est si agréable. Qu'est-ce que je te fais? Ouh. Clé de bras dans le vide, tu meurs. Bon, bonjour. C'est là-dedans? C'est là-dedans. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Monsieur Bain, mon pote, c'est toi qui as fait le signal de détresse? Alors, t'es surpris de me voir, Batman? Un peu. La dernière fois que je t'ai vu, tu ça m'a coûté une Batmobile. Tu savais que ça me tuerait pas. Ce n'était pas mon but. Je ne suis pas d'humeur à me battre. Qu'est-ce que tu fabriques ici? La formule Titan du Dr. Young. Oui, le clown est arrivé à en faire sortir de l'île d'Arkham avant que tu l'arrêtes. Combien le Joker a réussi à en faire sortir de l'île? Beaucoup trop. C'est pour ça que je suis ici. Je laisserai pas les pourritures de cette ville l'utiliser. Le Dr. Young m'a utilisé pour créer sa formule. Tu veux aider les gens? C'est mon devoir de détruire ce qui reste. Je vais t'aider, mais soyons bien clairs. Si tu tentes quoi que ce soit, je t'écrabouille toi aussi. On trouve les conteneurs de Titan et on les détruit. D'accord? Bien sûr. Chaque conteneur est doté d'une balise radio intégrée. Il restait 12 conteneurs dans la ville. On en prend 6 chacun et on se retrouve ici. 6 chacun? D'accord. Aujourd'hui, c'est pas le bon jour pour me mentir, Bane. Je suis vénère. Je l'oublie pas. Je suis grave vénère. Ok. Ouais. Bon, il y en a qu'on pourra pas choper, mais il y en a qu'on pourra choper. Ok. Bane, pas sur un pote à moi, Bane. Collaborer avec Bane pour péter les machins de Titan. C'est fait. Allô? Ok. Suite, on a un truc là. Entraînement en réalité augmentée en ligne. Bah, go. C'est pas lui qui donne des améliors? Bam. Bienvenue, prisonnier. Venez de faire vos premiers pas ici. Donc, c'est un monde meilleur. Oui, bon, j'ai pas le temps. Ah, j'allais dire, je pensais qu'il allait dire c'est moi, ce qui serait logique. Entraînement en réalité. Oui, il est pas bien compliqué. On rentre là-dedans. On rentre là-dedans. Et là, on descend un peu plus. Terminer 3 défis pour utiliser le grappin boost. Ok. Où est le prochain? Nouvel entraînement téléchargé depuis le bâton d'ordinateur. Oui, il est juste là. Je m'en occupe. Ça va. Faut juste bouler de canon. Maintenant.
Et là tu peux faire ça, et là B, piou, tout le monde meurt. Ok, donc lui on l'a eu. Oui bah moi aussi je voulais j'aller ici. Qu'est-ce qui se passait? Ok putain. En plus ils sont devant moi. Oui oui bah ça va me casse pas les couilles. Je vois où c'est. Ah Mr Freeze. C'est lui qui doit refroidir. Ça va, c'est pas chiant lui. Ok, le troisième est là, putain il est grand. Et le quatrième est juste là. Bon ça va. Je m'attendais à un entraînement plus compliqué. Hein. Mais je m'en souviens d'un qui était méga dur. En fait j'ai le souvenir d'un qui est genre giga dur. Ok, où est le dernier? Wine Tech s'il vous plaît. Entraînement en réalité augmentée en ligne. Ok. Il est là-haut. Et lui de mon souvenir est méga chaud. Oh non, ça va. Je m'attendais à du plus dur. Ok, on redescend maintenant. Et on arrive là-bas. Bon, ça va encore. Et du coup, on a le boost de grappin. Ça, au moins, c'est fait, ça sera fait. T'inquiète. Non, Alfred. J'aurais besoin du boost de grappin. Mais Monsieur Fox vous a bien dit qu'il n'était pas encore prêt pour le terrain. Ce n'est qu'un prototype pour la. Mais t'inquiète, je vais gérer. Je suis assez entraîné. Je suis prêt. Nice. Amélioration boost de grappin déployé et prêt à être récupéré. Bah je vais chercher, bouge pas. Il est par là-bas. Ok. Mais je l'ai pas, je l'ai spammé pour la touche boost de grappin, mais je l'ai pas encore. Non, c'est pas terminé. On est qu'à une heure de jeu, pour l'instant on a le temps. Utiliser. Technologie de moi-même. Nice, prototype de grappin. Améliore la vitesse de grappin, ce qui permet d'aller plus haut dans les airs de votre cible. Ok. On a passé un niveau. Et je vais mettre l'attaque planée max. Comme ça, ça le balance par-dessus. Et ça, ça one shot. Et ça fait des dégâts tout autour. C'est vraiment pas mal. Entraînement en réalité augmentée. Entraînement en réalité augmentée en ligne. C'est parti. Il me les propose encore. On s'arrête pas. Si vous le dites, vous voyez pas le Joker et Harley manger cette merde, pas vrai? Ouais, rien à foutre, j'en mange quand même. Il faudrait lâcher maintenant. C'est quoi? Ça va. Ça va pas. Ça va pas. Ah, il faut être tactique hein, pour lui. Hein. Bon, attends, on va réessayer. Je l'ai pas eu. Ah, faut vraiment le faire vite. Hein. Et la petite boost de vitesse. Ok, il est chaud mais faisable. Entraînement en réalité augmentée active. Ok. Ok. Il est faisable, on va y arriver. On quittera pas la VOD donc on n'y arrive pas lui. Je vous le dis. J'ai eu le Dofus et moi dans combat tactique, moi je dis c'est possible. Allez. J'ai fini la campagne de D-Machine. Maintenant. Et pourquoi ça me lève autant là? C'est chaud. Maintenant. Mais non, je l'avais. Oh, si j'ai à peine touché l'eau, c'est bon. Putain. Batman, il s'est tué des méchants, il est en sucre ce connard. C'est
c'est bon, j'ai. Ok. On a pas d'autre? C'est bon? Oui, c'est Batman. Lorsque vous essayez, je vois pas. Oui. C'est bon? On a fait tous les entraînements? Oh putain, c'est l'autre bout. Entraînement en réalité augmentée en ligne. Moi je dis bien, venez, on continue. Ah, mais il y en a plein tout. Attends, il y en a un là. Entraînement en réalité augmentée en ligne. Vas-y, je vais faire lui. Et on va s'assurer de respecter ces consignes. Bah, c'est des marqueurs d'objectifs secondaires, faudra qu'on les fasse quand même. Hein. Oui. Mais c'est pas un pote à toi, Strange. Il a fait des expériences sur rouge, mais si c'est des potes. Alors ça, je m'en souviens, faut les péter. Qu'est-ce que Batman fout ici ? Entraînement en réalité augmentée, activation. C'est méga chaud, attendez. Donc on fait ça. On descend là. Oh ! C'est giga chaud. C'est giga, giga chaud. Ah ouais, lui il est chaud. On va y arriver. On quitte pas la VOD, donc on voit pas lui. Ah mais c'est toi qui me casse les couilles. Attends. L'habitude de jouer par là quand j'étais gamin. Cet endroit n'a pas vraiment changé. Ok. Non, il m'a saoulé, il m'a saoulé. Ok. Entraînement en réalité augmentée, activation. Putain, je suis allé trop haut. Ok. On va y arriver. Oui, le Joker il parle en attendant, mais j'ai pas le temps. Moi j'ai un entraînement à l'été augmenté. Ouais, faut vraiment se maintenir là. Oui, yes. Ok. On va faire une petite pause ici. On est trop proche du machin. Et on a fait un entraînement. On en a réussi deux. Mais écoutez, on fait une petite pause de 5 minutes et on rejoue après. Ça fait plaisir de jouer à Batman et je pense qu'on va avancer très vite. En une vingtaine d'épisodes, ça sera plié. Puis on partira sur Assassin's Creed comme je vous l'ai promis. Allez, des bisous YouTube. Petite pause de 5 minutes.